première journée dans cette compétition qui rassemble les meilleures sélections européennes. Rendez-vous incontournable. Bienvenue à Düsseldorf, dans la Düsseldorf Arena. Ici Benjamin Da Silva et avec moi, l'unique, l'imprévisible, celui qui appuie sur les boutons, Omar Da Fonseca. Au programme, première journée dans cette Euro 2024. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Consistance, rigueur, détermination. Pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. David Alaba avec Danso en défense centrale. Xaver Schreiber sera accompagné par Konrad Leimer en milieu. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan. Ousmane Dembélé sera avec Kylian Mbappé sur les ailes. Et enfin, en pointe, Olivier Giroud. Allez, pourquoi pas là ? Sabitzer reçoit le ballon. Le ballon change de camp. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Attention, c'est chaud là. Goal, goal, goal de Dembouze. But d'Ousmane Dembélé. Dembélé se met sur risque. Si certains n'aiment pas les sodas sans sucre, le café sans caféine, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est le football sans risque. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Saveur. Et l'équipe de France qui progresse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Sabitzer. Le ballon pour Konrad Leimer. La suppression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Ballon pour Schlager. Et maintenant Sabitzer. Elle a frappé contrée. Avec Kylian Mbappé. Gregoric. Le ballon pour Danso. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et la bonne intervention d'Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Le ballon pour Olivier Giroud. Oh, la tentative lointaine. Et non, c'est finalement tranquille, là, pour le gardien. Konrad Leimer. C'est donné en retrait. Ouais, c'est un pressing efficace. Sabitzer reçoit le ballon. Et maintenant Sabitzer. Et voilà une bonne option de contre-attaque.
Rabiot. Mbappé. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Et ça joue avec Leimer. Il faut tirer là. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important. Il ramène les deux équipes à égalité. La beauté la plus grande, c'est la beauté simple. Efficace, précise. Ce geste, c'est la beauté de la simplicité. La simplicité de la beauté. Score de parité avec ce but inscrit, un partout. Théo Hernandez. Et c'est pour Upamecano. Et l'équipe de France en approche. Ballon pour Antoine Griezmann. Ouais, superbe défense. Saveur. Ah, les voilà dépossédés du ballon. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Tchouaméni. Et ça joue vers Jules Koundé. Griezmann. Adrien Rabiot. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Sabitzer. C'est pour Konrad Leimer. Saveur. Ça arrive pour Alaba. C'est pour Baumgartner. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Ah, ballon intercepté, ça change de camp. Griezmann. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Olivier Giroud. Ballon pour Jules Koundé. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui. Déjà, son bilan personnel, le but de l'égalisation est important. Mais encore plus important, c'est la dynamique qui doit se poursuivre en deuxième mi-temps. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Dembélé repique dans l'axe. Et attention à cette perte de balle proche du but. Antoine Griezmann à la réception, c'est contré. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Arnautovic. À la réception, Sabitzer. Saveur. Et non, ballon perdu. Adrien Rabiot. C'est pour Upamecano. Théo Hernandez. Arnautovic.
Gregoric. Avec Arnautovic maintenant. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Le ballon pour Arnautovic. Et bonne séquence. Ballon en retrait. Ouais, très bien défendu. Maignan. C'est pour Upamecano. Théo Hernandez. Tchouaméni. Ballon pour Antoine Griezmann. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Ballon pour Antoine Griezmann. Et maintenant Jules Koundé. Kylian Mbappé. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Et avec ce but, ça fait donc demain au tableau d'affichage. Christophe Baumgartner. Stéphane Poche, le ballon vers Danso. Danso. C'est pour Konrad Leimer. Et la grosse intervention là. Et Olivier Giroud. Ah, le bon geste défensif, il fallait intervenir. Et oui, l'équipe progresse bien, ça peut être dangereux. Olivier Giroud. Ousmane Dembélé avec le ballon. Oui, bonne intervention. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Pour marquer de cette distance, il faut s'appeler Omar Da Fonseca. Oui, moi je l'ai placé dans la lucarne. Lucas Hernandez. Et c'est pour Lucas Hernandez. Griezmann. Ah, le ballon change de propriétaire. Kylian Mbappé, balle au pied. Centré là-dessus, il s'est donné en retrait, bien défendu, mais le ballon revient, de nouveau présent sur ce ballon. Et ça joue sur Ousmane Dembélé, très bonne défense, sans faire de faute. Marco Arnautovic, c'est pour Baumgartner. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, l'équipe se rue maintenant en attaque pour essayer d'égaliser.
Ah non, finalement le ballon est perdu. Allez, pressing sur la relance. Ousmane Dembélé. Et l'équipe de France qui progresse. Et la balle de match là. Et le gardien s'illustre bien. Gregoric. Leimer. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Kainz. Ah, là, il protège bien le ballon. Bon ballon en retrait. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Kylian Mbappé. Le ballon transmis à Rabiot. Adrien Rabiot. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Oh, c'est raté. Plus que quelques minutes à jouer. Et toujours ce petit but d'avance. Une énorme opportunité gâchée. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Un but de retard, mais l'équipe tente tout maintenant pour essayer de revenir. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et voilà, c'est le but du break. Et vu le temps qui reste à jouer, ce but les rapproche de la victoire. Beaucoup vont dire que c'était trop simple et trop facile. Mais c'est rendre les choses simples. C'est ça le vrai talent. Et l'arbitre met maintenant un terme à ce match. On va en rester là. Une défaite à la maison, c'est jamais bon. Quand on regarde le score, la défaite est nette. On n'a pas assez vu des passes justes, des pressions défensives efficaces pour véritablement contrecarrer une équipe adverse parfaitement organisée. Ousmane Dembélé qui a crevé l'écran pendant toute cette rencontre. Impressionnant, l'attaquant français. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.